quelle plaie le vol de deux roues? Alors c'est pas facile d'obtenir des chiffres, on a réussi à recouper quelques informations en provenance des assureurs, la mutuelle des motards en particulier. Et bah les gars, il y a un deux roues qui se fait voler toutes les 4 minutes en France, qu'il soit sécurisé ou pas. Au final, ça fait quand même 120 000 véhicules qui ont été volés l'année dernière. Alors là-dedans, il y a tout, hein, du scooter, de la moto, du Honda, XADV, PCX, Africa Twin. Chez Yamaha, on vole beaucoup de T-Max, vous le savez très bien, du X-Max, de la MT-09, des GS chez BMW. On s'en est fait d'ailleurs voler une, nous, en début d'année. Du Piaggio MP3, de la Street Triple. Bref, tout le monde est touché, d'où l'intérêt des systèmes tracker pour les retrouver après le vol. Sur ce marché, il y a déjà Coyote, Inboxia, EasyTrack qui sont bien installés, mais Espion est un nouveau venu qui lui annonce de meilleurs résultats que les autres. Alors nous, on est allé voir son concepteur, celui qui a créé justement ce système. C'est un concessionnaire auquel on a donné un sacré gros défi. C'est parti. Yam Paris 15, c'est ici et nous allons rencontrer monsieur Mathieu Schrick. Salut Mathieu. Salut Mehdi. Ça va? On se check? Comme d'hab. Alors, je suis venu ici à la concession Yam Paris 15, mais on ne vient pas parler de Yamaha aujourd'hui. Exactement. On vient de parler d'Espion, ton tracker. C'est ça. Alors, ton tracker, qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport aux autres? Alors, en fait, déjà, je vais commencer par présenter un petit peu le marché aujourd'hui. Il existe deux catégories de trackers. Il y a les trackers suiveurs et alerteurs, et il y a les trackers retrouveurs post-vol. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie. D'accord. Donc, je ne fais que retrouver. Autrement dit, je ne permets pas dans une application de suivre le véhicule ni d'être alerté. Du moins, pas pour l'instant, c'est prévu dans les évolutions, mais je ne ferai jamais de solution pour que le client puisse suivre lui-même son véhicule. Donc là, derrière, il y a une technologie qui consomme 14 fois moins que du GPS et aussi un brevet qui a été déposé par la société qui a fabriqué les trackers et qui s'appelle WeFindIt. Et le brevet, en fait, consiste à réduire encore les consommations. Et ce qui fait qu'avec une batterie assez compacte, on arrive à tenir entre 5 et 10 ans sans recharger. Et alors, donc du coup, c'est ce qui te permet d'annoncer aujourd'hui, quelque part, des chiffres un petit peu plus meilleurs que la concurrence. Absolument. D'accord. T'es sur combien, toi, en termes de, on va dire, de véhicules retrouvés? C'est quoi ton pourcentage? 75%. Et on espère pouvoir améliorer ça. Notamment, par exemple, en faisant un système d'alerte pour que le client, quand il parte en vacances, il puisse activer une surveillance et qu'il puisse recevoir un email lorsque le véhicule bouge de manière anormale. C'est quoi la précision? On est à combien? On est à 10 mètres? On est à... Ça, c'est une question un peu complexe, mais je vais essayer d'y répondre brièvement. En fait, il y a 4 technologies dedans de géolocalisation. Il y en a une qui s'appelle le LoRaWAN, donc c'est le réseau LoRa, c'est un réseau radio. Qui a l'avantage notamment de fonctionner dans les endroits fermés. J'ai le LoRa tout court qui est en fait une technologie, c'est la même technologie sauf qu'elle est capable de dialoguer avec mes mallettes de recherche. D'accord. Donc là je suis en train d'arriver d'ailleurs à le deuxième gros avantage de mon système, on va y revenir. Et du GPS et du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'en fait le LoRa a la capacité à lire les adresses Wi-Fi environnantes, ce qui fait que du coup, elle va pouvoir me donner une zone de recherche plus petite. La précision de la radio, c'est ce qu'il y a de moins précis et c'est ce qui consomme le moins aussi. C'est ce que j'utilise en permanence pour rester en contact avec la balise, surveiller le fonctionnement. Et ça, c'est une précision qui est entre 150 mètres au mieux et ça peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres. De précision ou d'imprécision suivant comment on voit les choses. Donc ça fait partie des inconvénients du système qui sont compensés par mon système de mallette de recherche qui lui donne toute la précision puisque là je suis à 20 cm près. Wow. C'est-à-dire que ma mallette elle rentre en contact avec la balise et elle dit dans quelle direction il faut que je me déplace, moi quand je suis en recherche. D'accord. Sachant que donc, là je suis en train d'arriver aussi, je commence à déjà parler du fait que je recherche pour le client, il faut l'expliquer. C'est ça. Et c'est là aussi, donc c'est la troisième différence de mon système, c'est que je recherche pour les clients. Et d'ailleurs notre slogan c'est « on retrouve pour vous ». Mais alors comment ça se passe? T'as des agents, t'as des détectives de partout dans Bien Paris? Bien sûr, ouais, j'ai une équipe de recherche. D'accord. Et en fait, j'ai une équipe par département. Et le principe, c'est que quand le client va déclarer son vol dans l'application, et à partir de là, le détective qui est sur le secteur qui est déclaré comme volé, donc par exemple, je dis j'ai été volé à Paris 15e, bien en fait, le détective qui est Île-de-France, ainsi que le support, c'est-à-dire moi et d'autres personnes, on reçoit tous une alerte, mail, SMS,
et on va pouvoir gérer en fait la demande. Ça marche pour tous les véhicules. Ici, on est chez Yamaha, bon, parce que tu gères cette concession Yam Paris 15, mais ça peut marcher pour tous les véhicules. Voilà, en fait, ce qu'il faut bien préciser, c'est effectivement ça, c'est que mon système, il est absolument pas conçu que pour les deux roues, même si bien sûr, moi, je les vends aussi dans ma deuxième activité qui est Yam Paris 15. En fait, le système, il est prévu pour retrouver. D'une manière très générale, j'en ai mis un dans le sac à dos de ma fille. Excellent. Eh oui, j'en ai mis sur des bateaux, dans du matériel électronique. Il y a des œuvres d'art qui sont équipées aussi. Camions, quad, jet ski, motocross. Là, on peut y aller. Donc, il y a beaucoup de véhicules, c'est vrai. Il y a aussi du matériel. Alors, c'est quoi le coût d'Espion ? Donc, en fait, Espion, c'est une balise, une installation et un abonnement. D'accord. Pour le service, puisqu'il y a les détectives qui doivent être à disposition toute l'année. La balise, c'est 149 euros. Le montage, il est libre suivant les revendeurs. Moi, j'ai défini un tarif de base à 70 euros. Et il y a l'abonnement qui va de 39 à 120 euros par an, puisque j'ai deux types de services. En fait, j'ai un service basique, on va appeler ça comme ça, où dessus, il y a vraiment juste la surveillance. En fait, la balise, je paye un abonnement pour qu'elle puisse fonctionner. D'accord. Et je suis capable de te donner, par exemple, si tu me le demandes, une géolocalisation sur plan. Donc, je t'envoie en fait un point sur une carte pour que tu puisses aller chercher toi-même. D'accord. La limite, et c'est pour ça que j'ai développé ce service de détective, c'est que quand c'est dans les endroits fermés, le système ne te permettra pas d'avoir la précision pour pouvoir trouver dans les endroits fermés. Puisque toi, tu vas arriver dans la rue et en fait, le véhicule sera peut-être à 50 mètres, à 500 mètres. Et là, le problème, c'est que c'est impossible de trouver. Et là, en fait, moi, j'ai mis ma lettre de recherche. Donc là, si jamais tu ne trouves pas, tu as la possibilité de demander à un détective d'y aller pour toi. Ok. Donc là, les tarifs... Actuellement, ils sont fixés à 750 euros. Ils seront peut-être amenés à évoluer. Et c'est payable uniquement si je retrouve. Ah, ok. Eh oui, il y a une garantie de... Bah oui, il faut quand même que... Ça, c'est hyper intéressant. Ce n'est pas le cas de tous les trackers. Absolument. Voilà. Et j'ai une deuxième garantie qui va plus loin, où là, c'est le détective qui est inclus systématiquement illimité. Donc, tu as trois recherches à faire dans l'année, bah, c'est le même prix. C'est, okay. C'est inclus dans ton forfait à 120 euros par an. Et j'ai une garantie retrouvée ou remboursée. Ah, okay. Donc là, pareil, le but, c'est tu payes, mais par contre, nous, on te garantit que tu n'as pas payé pour rien. Puis après, en même temps, je préfère dire, hein, je ne m'engage pas à trouver 100%. D'ailleurs, personne n'est capable de le faire aujourd'hui, donc pas plus moi. Par contre, je sais que quand même, mon produit a beaucoup d'avantages par rapport aux produits concurrents. Et donc, je suis capable, en fait, de... Je sais que le risque est raisonnable de m'engager à faire ça. Ok, je comprends le prix. On peut le voir, le produit ? Alors, en fait, c'est confidentiel. Voilà. Donc là, on vient un petit peu aussi à encore une différence d'ailleurs de plus. C'est qu'aujourd'hui, les clients donc, qui achètent la plupart du temps des trackers suiveurs alerteurs, ce sont des produits qui sont faciles à trouver. Ouais. Parce que tout le monde peut voir la photo on sur les Internet. Connaît, bien sûr. Tout le monde connaît. Ouais. Parce qu'ils sont parfois gros. Quand ils sont autonomes, ils sont gros. Quand ils ne sont pas autonomes, ils sont reliés à des fils et donc faciles à trouver. Et en fait, dans tous les cas, on ne crée plus la surprise. Et en fait, tout le principe, à mon avis, du tracker, enfin, ce n'est pas mon avis, j'en ai la preuve maintenant, puisque ça fait quand même 12 ans que je vends toutes sortes de systèmes, que j'ai la preuve maintenant qu'un tracker, il doit être, doit surprendre. Si on le trouve facilement, si le voleur le trouve, il n'y a plus aucun intérêt. Et moi, je suis là pour retrouver. Donc voilà, encore que les autres systèmes qui alertent et suivent, ce ne soient pas des systèmes optimisés pour retrouver, ça peut se comprendre que du coup, ils puissent être montrés couramment. Moi, je suis vraiment dans la démarche où je retrouve. Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir, parce que je vais te lancer un petit défi. Je vais te voler un scooter. Enfin, je vais te prendre un scooter qu'on va me voler, comme ça. Et l'idée, ce serait que tu me retrouves. Donc, je vais voir combien de temps tu mets pour me retrouver. D'accord. Je vais voir si tu arrives à me retrouver avec précision là où je vais planquer le scoot. Un défi. Ça te va ou pas ? Allez. Tu me prêtes un scoot en plus ? Je te passe ça. Je te passe mon T-Max. Un T-Max, bah tiens, c'est étonnant ça, ouais, par voilà. Rapport au vol. Voilà, non, voilà. Bon, on va te suivre pour voir comment tu procèdes justement pour nous retrouver. Ouais. Et ben, je te dis à tout à l'heure. Allez, ça marche. Ça marche. Ciao.
Allez, montez max, il est là. Yes. Ça, c'est cool. J'aurais dû lui dire, si tu le retrouves pas aujourd'hui, je le garde. Bon. À tout à l'heure, peut-être. Bon, ça y est, je suis dans la planque. Maintenant, je vais déclarer le vol via mon compte Spion Service. Alors, déclarer un vol. Là-dedans, je rentre tout sur la date de la disparition, l'heure de la disparition, marque de mon véhicule et modèle. Tout ça, c'est des champs obligatoires, ainsi que la couleur, le numéro d'IMAT et le nom de ma balise que j'ai sur mon compte. Bon, maintenant, c'est bon. Normalement, ils ont repéré le vol. Bon, j'ai lancé le chrono. J'espère qu'il ne va pas être trop long. Voilà, donc là je viens de recevoir l'alerte. Je vois que l'adresse du vol c'est dans le 15e. J'ai le numéro de la balise que je dois chercher. Je vais pouvoir contacter le client et lui dire en fait que voilà, c'est moi Mathieu qui m'en occupe. Ah, Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Voilà, donc je voulais t'informer que donc j'ai pris en charge le dossier. Est-ce que tu as reçu un message? Oui, j'ai reçu un message. Voilà, qui te dit qu'en fait, j'ai pris en charge le dossier. Donc là, c'est parti. Ok. Eh ben, je te dis à tout à l'heure. À toute. Ciao. Ciao. Donc là, maintenant, l'étape suivante, c'est que je définis ma zone de départ de recherche. Et donc, je vais regarder les informations que la balise m'a remontées. Donc moi, j'estime que la balise est dans ce secteur-là. Angle Allée Hoche et Boulevard de Stalingrad à Malakoff. Je vais me rendre sur ce point et je vais allumer mon matériel en fait de recherche jusqu'à ce que ma mallette rentre en contact avec la balise et que ça me dirige en fait. Donc là je suis prêt à partir. J'ai sur cet écran le GPS qui va me guider jusqu'à ma zone de départ de recherche. Et j'ai sur cet écran les informations à partir du moment où je vais rentrer en contact avec le tracker. Donc voilà, ça y est, je suis arrivé sur mon point de départ de recherche et il se trouve que je suis rentré effectivement en contact avec le tracker, donc il est à proximité d'ici. Et maintenant, j'ai besoin de savoir dans quelle direction je dois me déplacer. Je vais faire donc les quatre points avec mon antenne directionnelle et je vais savoir dans quel sens le signal est le plus fort et je vais me déplacer. Donc là, je suis arrivé donc sur le point le plus fort. L'indication, c'est que ça me dit qu'il faut que je descende dans le sous-sol. Et ben voilà, j'ai trouvé. Tu m'as trouvé. Voilà. Tu m'as trouvé. T'as mis un petit peu de temps. Ah oui, cette recherche, elle a été difficile en fait. Elle a été difficile. Ouais. En fait, je suis arrivé il y a une heure de ça, à quoi, 50 ou 100 mètres d'ici. D'accord. Sauf qu'en fait, j'étais de l'autre côté de la voie ferrée et la voie ferrée, elle fait une barrière qui est immense, qui fait que du coup, pour pouvoir rechercher, quand je veux tourner autour, c'est un petit peu difficile. Je suis obligé de faire des grands détours. D'accord. Et du coup, j'ai souvent perdu la liaison. Et bon, voilà, donc du coup, en tout cas, j'ai quand même fini. Ouais, la finalité, c'est que tu as mis un petit peu plus de 2 heures, mais tu m'as retrouvé ici. On est dans le parking de la rédaction. On est en sous-sol, on est en moins un. Et je me suis vraiment mis au bout du parking, quoi. J'ai un peu corsé le truc. Non, mais au final, 2 heures, c'est rien. On est content que tu aies retrouvé le scout, quoi. Ton système, il est super performant. J'ai hâte d'en tester d'autres, justement, pour pouvoir le comparer. Si vous souscrivez, justement, à cette option qui s'appelle Espion, développé par Mathieu. N'hésitez pas à nous refaire des commentaires justement pour parler de vos difficultés, savoir si tout s'est bien passé, parce que malheureusement le vol, on l'a dit, hein, ça fait partie de la vie du motard. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter-nous tous vos commentaires. Merci Mathieu, je te dis à une prochaine. Je ramène le scooter à la concession, on fait comme ça. Allez, c'est parti. Ciao. Merci Mathieu. Bye. Salut.